Et alors, il faut prendre un ballon. Quand on quitte la France, on prend toujours un ballon de foot. Eh les gars, vous êtes pas tout seul là, vous êtes au courant. Mais il faut prendre un ballon de foot alors qu'on va nager. Mais dis-lui, Younes. Vous êtes là, il y a des gens, ils vous regardent. On va aller au Maroc pour la première fois de notre vie, on sait pas à quoi s'attendre, on n'a jamais été. Yacine, est-ce que le Maroc c'est comme l'Algérie? Bah oui, le Maroc c'est comme l'Algérie, la Tunisie. Bah oui, c'est nos frères les Marocains, c'est comme l'Algérie, la Tunisie, la France et tout. Mais c'est la première fois on y va, donc ça va être une découverte pour nous. Et on va jouer au foot. Et vous voyez ces claquettes là, c'est un glitch parce qu'en fait Younes il a mis ses gros doigts de pied dedans, du coup elles sont larges et elles sont. Regardez comment elles rentrent facilement. Et tu vois ça, pour marcher c'est incroyable. La code familiale au Maroc c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. On vient d'arriver à l'aéroport, franchement je suis fatigué, on a fait un Dites-vous la famille, on a marché. Vous voyez tout ça là-bas là, c'est 15 minutes de marche. C'est atroce. Ouais, il y a des PS5 là-bas. Oh, il y a des PS5. Il y a personne en plus. Ils ont changé, d'habitude c'est des PlayStation 4 et là ils ont mis des PlayStation 5. Et non, mais Rem, on en prend une pour le Maroc. Ouais, vas-y. Regardez celle-là, ouais, vas-y. Là, il est 20h. Dites-vous, notre vol il est à 21h, on arrive là-bas à 23h. Et ça va être la nuit, c'est-à-dire on va découvrir le Maroc la nuit, on va vous emmener avec nous. Là il y a des petites plays, on est parti avec Air France, je pense que ça va être bien ou pas. On est tous assis ensemble. Il y a une heure de décalage là-bas. Il y a une heure de décalage. On va regarder, il y a quoi comme jeu sur la play? Grand Turismo 7. Ok, God of War et FIFA, vas-y on va jouer à Grand Turismo. Eh, mettez-moi toutes les plays 5 qu'il y a ici, c'est pour ça qu'il n'y en a plus dans les magasins. Regardez, il y en a une là, une là, une là, une là-bas et il y a encore plein de play. Il est en train de faire sa prière. Toujours faire les deux. 3 heures des vols comme ça, 4 heures pratiquement. Regardez. C'est ça, je vous disais, des avions qu'on fait. T'as un voyage, les gars, je vous promets, c'était grave fatigant. Ouais. Mais là, on vient d'arriver, donc là, il est quelle heure là, Yacine? Il est 1h en France et ici, il est minuit. On attend quoi là? On attend le voiturier qui va nous ramener. Il y a une petite voiture qui va nous ramener dans l'hôtel. Ça a l'air incroyable. Regardez, je vous montre un petit peu. Il y a des beaux palmiers. Franchement, ça a l'air super beau. Quand t'arrives dans un truc et c'est de nuit, tu peux pas découvrir, c'est grave frustrant. Tu dois attendre le lendemain matin. T'as-tu quoi, Myriam? Tu dois attendre pour voir le toboggan et tout. Ouais, tu dois attendre demain. Votre voiture, elle arrive, regardez. La voiture, elle arrive. Bip bip. Wa alaykoum salam. Vous êtes prêts à y aller? Vous êtes prêts? Ouais. Ok, bismillah. On vient d'arriver, avant de vous présenter la chambre, la première chose qu'il faut faire quand on vient d'arriver, c'est rattraper la prière. Là, c'est la dernière prière de la journée, donc on va faire la prière, on se reprend pour vous présenter la chambre. De retour, je vous dis la vérité, hier, il était grave tard, on est parti dormir, j'étais caoté ma tête, j'ai même pas dormi. Là, je suis avec Myriam, il est 8h du matin, Yacine, il est en train de dormir et du coup, on va vous montrer là où on est, c'est incroyable. Ouais. Mais juste avant de vous montrer, il faut qu'on prenne le petit déjeuner marocain. Bah ouais. On va prendre un petit déjeuner 100% marocain, c'est parti. Younes, tu vois ce que je vois? Oh le truc, oh les gars, viens on va leur faire montrer. Oh les marocains. Tape en piscine. Les marocains. Tape en piscine. Quoi couper? Eh vous blaguez vraiment pas les marocains. Regardez les piscines qu'il y a. Je te jure qu'il y a les chaudes. Touche l'eau, je te pousse. Non je rigole. Regardez là, il y a une première piscine, elle est gigantesque. Elle est grave chaude. Viens on va voir là-bas, elle est encore plus grande la piscine de là-bas. Ma bête plus profonde. Et là je vous dis, ceux qui sont réveillés à cette heure-là, c'est que des tarés. Ah, Madrid, Manchester City, désolé. Regardez celle-là, comment elle est. Elle est gigantesque, la piscine. Et tu penses que tout ça, je le fais sous l'eau? Tout ça, là, je le fais sous l'eau. C'est pour enfants, genre. Bah ouais, c'est pour toi, pour les microbes. Je vais quand même aller là, je m'en fous. On verra, retenez bien ce qu'il y a à dire. Et s'il y a des toboggans, je les fais. On a réussi à trouver. Alors, on va regarder déjà les Marocains, qu'est-ce qu'ils ont au petit déjeuner. Il y a déjà des gâteaux au chocolat, des petits gâteaux. Ok, tu veux prendre quelque chose? En vrai, je crois que... En vrai, viens, on va prendre les spécialités marocaines, ouais, genre vraiment les trucs marocains. Où est Myriam, le cuisinier? Il est là, regarde, le cuisinier, il est là. Ah yeah, les gars, on a trouvé les crêpes marocaines. Vas-y, let's go, on va goûter ça. Petite crêpe. Ceux-là, je pense qu'en Algérie aussi, on en a. Elles ont l'air incroyables. Après, on a quoi ici? Ça s'appelle des pâtes gouttes. Regardez, ils sont tout chauds encore. Myriam, elle galère à en prendre. Allez, appuie. Voilà. Ah, est-ce que le thé marocain, ce qui paraît, il est meilleur que le thé algérien? Ah ouais, vas-y, je te suis. Regardez, il y a le monsieur qui va nous faire tester le thé. Ça va être incroyable. Regardez, il est là. On va faire le thé marocain. Je te dis salam alaikum. Waouh. Professionnel, hein. Incroyable. C'est parti, on va tester le petit déjeuner. Donc je vous présente mon assiette. Moi j'ai pris œufs, pain perdu, ça c'est une tortilla et de la dinde. Okay. Et ici on a toutes les spécialités. Alors on a le pain perdu, on a le bad goût,
le msemmé, le croissant. Elle a pris des merguez. Et bien sûr, le thé. On commence par quoi? Moi, je commence par ça. Elle commence par merguez, moi, je commence par ça. C'est l'air. C'est bon, ça. Moi, le matin, je suis team salé. Ça, c'est la base. Tous les Marocains et les Algériens aussi, c'est la base. Regardez si c'est bon. C'est vrai que c'est vraiment grave bon. On va goûter le thé. Wow, elles sont fortes. Normalement, le thé, ça vient de l'Algérie ou le Maroc, le vrai thé? Genre, c'est qui qui l'a inventé? Les deux? Ouais, je sais pas. Et il est super bon. La dernière masterclass. Le pain perdu, la dame, elle le faisait devant nous. On va regarder ça. C'est super bon. Avec Myriam, on n'arrête pas de marcher. On a découvert une troisième piscine. Et ça, il dit, c'est la piscine calme. On a le droit de rentrer dedans? Bah oui, on a le droit. Sauf qu'il y a des barrières, mais regardez, là, en mode, c'est calme, il n'y a personne. Elle est grande quand même, hein, t'as vu? Waouh. Myriam, ça se fait pas, on a oublié Yacine. Viens, on va le chercher, on va le chercher. Du coup, c'est au deuxième? Ouais, appuie sur le numéro 2. Ouais. Yacine, il est encore en train de dormir et on a deux chambres. Donc du coup, je vais vous montrer la chambre marocaine, comment elle est. En plus, c'est Myriam qui vous montre, vas-y. Déjà, on a la douche. Salle de bain. Alors la douche, est-ce qu'elle est claquée? Où elle est bien? Moi je l'ai testée hier et elle est super hier. Sors ton corps de crevette comme ça je leur montre. Regardez la douche. En mode, t'as tout ça pour toi. Ici t'as robinet. Pour les petites madames, le sèche-cheveux. Voilà. Ici on a des serviettes à notre disposition. Les toilettes, on s'en fiche, c'est des toilettes normaux. Regardez quand t'arrives. Ça c'est gratuit quand vous allez à l'hôtel, ils vous mettent ça, c'est gratuit. Vous avez pas mangé? Moi j'ai tout mangé à 2h du matin. Alors on a déjà. Alors ici on a du poulet. La dinde, poulet, fromage, concombre. On a tout. On a une deuxième assiette puisqu'on est deux. Il y a Yacine, il est derrière cette porte. Et on essaye de l'ouvrir, on n'arrive pas. On peut pas. Ensuite, ici, on a une terrasse. Bah, attends, je vais peut-être vous montrer les fruits préférés de jeunesse. Une terrasse. Ah, ici, on a un petit canapé. Attends, on leur montre après. On va leur montrer après la meilleure surprise pour la fin. Ouvre la terrasse. Mais là, on douille. Terrasse. Vas-y, ouvre. Vas-y, on y va. MDR, regardez, je vous montre la terrasse avec des petits. Waouh, regardez comment c'est super magnifique. Waouh, c'est incroyable. Myriam, non, par contre, non. Et là, il y a Yacine. Ça veut dire que si en vrai, attends, est-ce que par terre c'est profond? Si je veux aller voir Yacine, je peux passer par là, aller là-bas et toquer. Mais en tout cas, la famille, c'est super beau. Hein. Le Maroc, c'est vraiment super, super beau. Je le dis et je le redis. Arrête, non, mais sérieux, ouvre. Regardez comment on va mourir. Eh hey, écoute, si tu m'ouvres pas, ah bah c'est bon. Alors ça c'est un set DLE. Est-ce que c'est confortable pour dormir dessus? Ça va, et regardez le double lit. Donc en vrai la chambre, on a déjà eu beaucoup plus pire que ça. Et franchement la chambre, moi je lui mets un bon 9 sur 10 la chambre. 10. 10 toi? Donc vous partez, vous levez grave tôt le matin et vous me réveillez pas. Chacun pour soi. Mais t'étais en train de dormir, je vais pas te réveiller. Donc là c'est comme ça, c'est chacun pour soi. Ça veut dire là vous faites vos trucs, vous m'appelez pas, vous me réveillez pas. Pour me faire pardonner, viens voir, je vais te montrer quelque chose. Première surprise. On a dinguerie. Regardez. Mais il y a déjà des petits en train de faire un match. C'est un truc de malade. Sur le grand terrain en plus. Ça c'est la première surprise. Deuxième surprise, tourne à gauche. Tu vas serrer mon pote. Wow, il y a un city stade. Il y a un autre cet hôtel là les gars. Franchement. Il est vraiment, vraiment incroyable. Regardez. Ah si, t'as dit, il n'y a personne. Il y a une balle qui s'envole. Regarde. Là, les Reyes, c'est un deuxième terrain de foot. C'est un deuxième terrain de foot. Regarde. C'est pas un truc de ouf. Oh la dinguerie. On va faire nos meilleurs matchs s'il y a des gens. Là, si tu veux te faire masser, tu te mets là. Et tu te prends un massage. Mais j'avoue, c'est payant. Et la troisième surprise, elle est derrière cette porte-là. Tu peux rentrer. Oh hey, c'est une dinguerie, les gars. C'est la première fois de notre vie où on voit, il y a autant. Et c'est pas fini, regarde, avance là-bas encore. C'est n'importe quoi. Oh la dinguerie. En plus, t'es moi, t'as une salle pour toi tout seul. C'est trop bien. Il y a vraiment tout. Par contre, regarde, j'ai toujours peur que ça se casse dans les pays où genre ça fait 10 ans et long. Regarde si c'est stable. Parce que moi, si c'est pas stable, j'en fais même pas, c'est mort. T'as vu comment ça bouge? Fais une traction ou deux pour voir. Au moins, si c'est toi qui tombe, c'est pas grave, mais allez. Non, en vrai, je pense que ça va, ça tient.
vu que Myriam, t'es la plus petite de la famille, ouais. Tu vas aller voir si l'eau elle est froide ou pas. Parce qu'au Portugal, dis-leur au Portugal c'était comment. L'eau elle était gelée. Voilà, donc là moi quand l'eau elle est gelée, je peux pas y aller. Vas-y, hey, dis la vérité, hein. Si je rentre elle est gelée, je te coule. Moi je te dis la technique, Sofiane il m'a dit c'est de rentrer d'un coup. Non, non, je te jure, tu vois Sofiane, ouais. Lui l'eau glacée c'est son dada. Vas-y rentre, rentre d'un coup. J'ai peur les papiers. Ah ouais, si elle a papier, c'est... Mais tu sais pas nager? Si. Vas-y. Un, deux. Rigole pas avec lui. Pourquoi tu m'as pas réveillé? Parce que tu dormais. Et alors? C'est pas chacun pour soi. Ben tu faisais la grasse matinée aussi, on voulait pas te déranger. Et elle est bien au moins la piscine? Ouais, elle est chaude. Tu veux la tester? Comment elle est congelée, on dirait elle a de la fièvre. Bon bah la famille, nous on va vous laisser là. On va vous laisser là et je vous promets la prochaine vidéo, ça va être dans un aquapark, Inch'Allah. Ça ah va ouais être, ouais, ça va être incroyable. J'ai vu un aquapark, il n'y a pas... Mettez des likes pour qu'on fasse mettez ça. Mettez des likes, abonnez-vous. 1000 likes, on fait ça. Mais en tout cas, pour l'instant, le Maroc, c'est incroyable.